sur sa première. Eh bien salut à tous, c'est Aurélien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza, mais pas Horizon 4, cette fois sur Forza Motorsport 7 pour la découverte du jeu. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas l'univers Forza, la série Forza globalement se divise en deux jeux, deux catégories de jeux assez distincts. Les Horizons qui sont à monde ouvert et qui sont des jeux assez typés arcade, et les Motorsports qui sont donc des jeux conçus uniquement sur circuit, voilà, il n'y a pas de monde ouvert, et qui sont plus typés simcad plutôt que simulation. Voilà, c'est pas de la vraie simu, hein, très loin, c'est de la simcad. Donc simcad, en gros, pour ceux qui ne savent pas là non plus ce que c'est tout simplement de la simulation mais arcadifiée, donc du coup ça fait de la simcad. Donc du coup, première fois que je lance ce petit jeu, donc on découvre. Donc là, je suppose qu'il va falloir choisir son petit pilote. Donc, hop, sélectionner. Waouh, il y a de la tenue hein, au début. Alors, on va garder la tenue d'origine. Et puis, du coup, on va. Donc, on peut soit aller sur le menu principal, soit pilote Forza. Bon, on va aller pilote Forza, écoutez. La Coupe Pilote Forza, le championnat automobile le plus important et le plus hétéroclite au monde. Depuis des décennies, elle attire les plus grands pilotes. Vitesse, polyvalence et réactivité seront de mise pour l'emporter. Seuls quelques privilégiés atteindront les sommets de cette coupe, s'étendant sur 5 continents et empruntant les plus célèbres circuits de la planète. Et seul le vainqueur entrera au panthéon du sport automobile. Mais commencez par vous glisser dans la peau des anciens vainqueurs pour découvrir comment remporter la plus grande récompense automobile. La vitesse. L'essence même de la course. La vitesse ne se limite pas à des merveilles d'ingénierie et de conception. Il s'agit de pilotes s'évertuant à dépasser les limites. Le tenant du titre, Michael Müller, fait partie de ces pilotes. Réputé pour débarquer sur les circuits à bord de voitures toujours plus innovantes, il a fait tourner toutes les têtes lors de la course sur invitation de Dubaï, au volant d'une voiture dont tout le monde ignorait l'existence. Ok, donc normalement, si je me souviens bien, là on va commencer à conduire, parce que bon, je me rappelle un petit peu des gameplays de l'époque, présentation du jeu par d'autres personnes. Donc normalement c'est la première course en 911 GT2 RS, magnifique voiture, donc hero car hein, du jeu, vu que c'est la voiture de la pochette tout simplement. Bon, du coup je sais même pas ce qu'il met comme aide hein, au départ. Hop. Bon, du coup ça va être sensiblement différent hein, que par rapport à AFH. Alors déjà c'est pas les mêmes touches pour genre changer de vue et tout. Là tu regardes derrière, sur FH tu changes de vue. Comment on change de vue du coup? Peut-être Y. Ah bah non, je suis con, c'est le rembobinage. C'est pas ce que je voulais faire. Sacré rembobinage hein. Hop. Je sais pas du tout quelle touche ça peut être, mais bah on découvrira ça quand on découvrira ça. Je sais pas du tout comment on fait pour changer de vue. C'est pas indiqué. Alors là je crois qu'il y a un freinage auto. On enlèvera ça bien évidemment. Est-ce que même je peux pas l'enlever maintenant? Réglage des aides de pilotage. Alors attends. Trajectoire, on va la mettre en freinage seulement pour l'instant. ABS actif, oui. Mais pas assisté, faut pas déconner. Direction normale, contrôle de traction. On va mettre peut-être oui pour l'instant, ça non. Et puis assistante de collision, limite de piste, apparence des limites. Ok, bon, pour l'instant on va mettre comme ça. Ça me paraît bien. Hop. Histoire de quand même. Attends, je crois qu'il m'a pas sauvegardé mes paramètres, si. Bah non, il freine tout seul encore. Bon, on regardera ça après. Hein.
Le con. Hop. Bon, le jeu est quand même toujours très beau graphiquement, malgré qu'il a déjà 3 ans. Peut-être même 3 ans et demi. Le jeu claque toujours autant graphiquement. Bon, après, c'est ça qui est bien avec les développeurs des Forza. Par contre, c'est moi où la direction est assistée de fou en fait. J'essaie de tourner en ligne droite, ça n'a pas marché. Eh bah, ben, dis donc, c'est quelque chose la direction assistée. Genre là, tu ne peux pas tourner presque en ligne droite. C'est un truc de dingue. Pour changer de caméra. Ah bah là, c'est pas très pratique cette touche. Pour changer de cam. Bon, why not? On va se mettre un peu en vue cockpit. Hop. C'est vraiment chelou la conduite avec le freinage auto et la direction assistée. Faut vraiment que j'enlève ça après la course. Hop. En tout cas, petite découverte du coup du jeu. Une petite vidéo découverte. Même si on n'est pas sur un total découverte non plus pour moi, étant donné que j'ai déjà joué au jeu chez un pote tout simplement. Une petite heure comme ça. Mais du coup, ça va quand même me refaire découvrir le jeu. Parce que bah, ça fait très très longtemps. C'était il y a plusieurs années déjà. Sûrement en 2018, une couille dans le jour. Par contre, regarde la route, Michel. Donc du coup, voilà. On va dire que c'est une redécouverte. Bon, du coup, en termes de conduite, il va falloir quand même s'habituer un peu par rapport à Forza Horizon 4. Hein. Non, parce que c'est complètement différent. Hein. Concrètement, c'est pas les mêmes jeux. Hein. Ça, c'est clair que... Après, il paraît quand même... Donc, même si j'ai jamais joué à Horizon 3, Horizon 2, Horizon 1, malheureusement, il paraît que les horizons d'avant étaient quand même un petit peu plus moins arcade qu'Horizon 4. Il paraît même que Horizon 1, c'est ce qui se rapprochait le plus d'un motorsport, mais ils ont beaucoup arcadifié les horizons au final. Après, c'est vrai que c'est un monde ouvert, donc c'est peut-être mieux d'avoir quelque chose d'arcade que de complètement simu. La polyvalence permet de maîtriser n'importe quel véhicule. Elle est donc cruciale, car pour remporter la coupe, peu importe votre pointe de vitesse, vous devrez vous imposer au volant de plusieurs voitures. Au Mugello, Maria Rossi a pris la tête du championnat pour finalement remporter la coupe pilote Forza grâce à sa capacité à s'imposer au volant d'un véhicule aussi atypique qu'un camion de course. Effectivement, on part sur un petit camion. Et je suppose, en fait, je crois que les trois premiers pilotes, parce que bon, en fait, j'ai pas le son du jeu hein, pour ceux qui se demandent. Du coup, je sais pas quand le mec parle et tout, vu qu'il y a pas de sous-titres là. Enfin, je sais même pas si c'est un mec ou une meuf qui parle. Dans tous les cas, j'ai pas le son du jeu vu que j'enregistre pas le son sur ma Xbox. Enfin, le son de ma voix, mais sur une autre appli. Du coup, mon casque est branché. Hop. À mon smartphone sur le logiciel de montage pour prendre le son de ma voix. Mais du coup, j'ai pas de deuxième casque pour avoir un retour sur le jeu. Je pourrais mettre des écouteurs, mais ce sera un petit peu chiant. Donc, donc voilà. Par contre, j'ai pas une vue. Ouais, si. J'ai la vue là un peu plus éloignée. Les camions, ça pourrait être cool d'avoir plus ou moins des camions sur The Crew 2, non? Ça pourrait être sympa. Sur The Crew 2, il y aurait quelque chose. Bon, après... Hop. Ça tourne étonnamment bien, hein, quand même. On dirait pas que qu'on conduit un camion. Bon, même si je me doute bien que... Ça doit être très allégé, ça doit quand même faire au moins 2 tonnes 5, je pense, peut-être même 3 tonnes, un camion de course. Donc franchement, ça tourne plutôt bien dans les virages. Ça accélère bien, on a une boîte assez courte, je sais pas il y a combien de rapports, mais on a une boîte assez courte. Hop.
Allez, ça passe tranquille, mais oui. Très agréable à conduire ce petit camion. C'est limite plus agréable à conduire que la Porsche, quoi. Alors que pourtant, en vrai, je pense que la Porsche est plus agréable à conduire IRL que qu'un camion. Enfin bon, je pense, hein. J'ai jamais conduit de camion de course ni de Porsche, alors bon. Je peux pas trop dire là-dessus. Allez, 185 en camion, c'est parfait ça. Ça pourrait être bien de transporter des chargements là-dessus. Bon, je sais pas si c'est encore le crochet, je crois que si, mais. Parce que là-dessus, c'est la livraison express par excellence, là. Hop, et la ligne d'arrivée qui est devant. Et voilà. Premier, évidemment, ce n'est pas très dur. D'ailleurs, j'ai pas vu, je crois, d'option pour changer la difficulté des drive avatars pour l'instant. Peut-être que ce sera après, ou peut-être que je l'ai loupé, je sais pas. Une petite course sur la pluie. On va pouvoir voir du coup un petit peu les reflets sympathiques du jeu. Alors, je suis pas sûr, mais je pense pas qu'il y ait de ray tracing sur le jeu. Parce que 2017, le ray tracing, c'était pas trop existant, je crois. Donc, je pense que c'est plutôt des reflets qui sont codé sur le jeu plutôt que le ray tracing. Et puis je suis pas sûr qu'il y ait une mage de toute façon sur Xbox Series pour. Parce que je suis sur Xbox Series hein, pour ceux qui se demandent. Donc je suis pas sûr qu'il y ait une mage pour modifier le jeu graphiquement, pour l'optimiser sur les Xbox Series. Je sais que FH4 est optimisé Xbox Series. Mais je sais pas pour Motorsport s'ils l'ont fait. Si jamais quelqu'un sait dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si le jeu a reçu une mage récemment pour être optimisé sur Xbox Series ou s'il n'a pas été optimisé. Et que du coup c'est juste des améliorations graphiques qu'il peut y avoir de la console automatiquement. Parce que je sais que là le jeu est quand même plus beau que sur Xbox One, vu que moi quand j'y avais joué c'était sur Xbox One forcément. Et c'est vrai que sur Xbox One standard, le jeu n'est pas très beau. Mais c'est vrai que là, il claque bien comme il faut. Pile 60 FPS. C'est un régal. Oh bah là. Ouch. Ça passe. Nickel. Franchement, elle tourne bien la petite GTR là, malgré qu'on soit sous la pluie. Tu sens qu'elle a de l'appui, c'est ça qu'on aime bien. Et qu'on va peut-être plus sentir sur un motorsport qu'un Horizon. Bon, un Horizon, évidemment, si tu prends une Ferrari 599 XX Evo et qu'après tu prends, je sais pas, la Corvette C8 pour prendre l'exemple d'une des dernières voitures sorties, tu sens qu'il n'y a pas le même appui. Mais la sensation est quand même vachement différente. Là, tu sens vraiment l'appui. C'est pas. On va dire que sur Forza Horizon 4, tu sens plus là que la voiture tourne mieux, quoi. Qu'elle tourne plus. Alors que là, on a vraiment la sensation de ouais, t'as plus d'appui quoi. Enfin, c'est quelque chose qu'on a aussi sur Gran Turismo Sport, hein, comme sensation, le freinage. Le freinage n'était pas fameux. Bon, après, j'ai peut-être freiné un chouïa tard, mais t'as pas forcément des bons freins. Bon, après, on est sous la pluie aussi, mais quand même. En tout cas, sous la pluie, le jeu est quand même assez beau. Ça c'est sûr, y a pas à chier. Les reflets sont parfaits tout simplement sur la piste. Mais encore une fois, je sais pas s'il y a du ray tracing, mais je pense pas. 2017, peu probable, parce que ma voiture reflète parfaitement. Ça a l'air quand même. Mais je pense que c'est plutôt du codé que du ray tracing. Parce que voilà, 2017, je suis pas sûr que déjà Nvidia avait encore présenté leur. 2080 avec le ray tracing, je sais même plus, peut-être. Mais avant ça, le ray tracing, ça, je sais pas si ça existait sûrement, mais c'était pas très courant. Donc pour que ce soit sur console encore moins. Donc voilà, je sais pas du tout. Peut-être que le jeu a été mis à jour sur les Xbox Series et qu'au final maintenant il a du ray tracing alors qu'à l'époque il en avait pas. Mais en tout cas, bref, le jeu est quand même très très joli, les reflets sont tout simplement parfait quoi. Donc rien à dire. Mais très beau jeu. Très beau jeu et conduite très agréable quand même.
Donc du coup, championnat actuel terminé, ouais. Polyvalence et réactivité. À vous de jouer. Vous allez participer à la plus grande compétition automobile. La Coupe Pilote Forza est réservée aux meilleurs. La tâche sera ardue. Mais quand vous soulèverez le trophée, le monde entier saura que vous êtes le plus grand pilote au monde. Alors ça doit être la concession. Donc niveau concession, on a pas mal de choses. Je crois qu'il y a plus de 700 voitures sur le jeu. Là on en a 194, là on a 185. Là je ne vois pas le nombre qu'il y a et là non plus, mais il y en a un paquet. Et donc je crois que du coup on a peut-être même plus de voitures que sur Forza, Horizon 4, je crois. Mais après c'est surtout sur les voitures de course, voilà, où elles ne sont pas présentes forcément sur le petit Forza Horizon 4. Voilà pour cette petite partie. Ok, en fait je viens de comprendre le système de garage, c'est un petit peu différent. Ok, donc je n'avais pas vu que c'était classé par constructeur, c'est pour ça. Donc du coup effectivement on a bien plus de voitures. D'ailleurs on a des voitures à télécharger dans les messages, faut que je les télécharge. Vu qu'elles sont gratuites. Mais du coup là on a déjà tous les packs. Et du coup ça fait déjà pas mal de petites bagnoles. Assez cool. Puis on a une petite Renault. Bon voilà, c'est pas la Renault qu'on croise tous les jours dans la rue. Mais très jolie voiture quand même. Donc du coup voilà, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo découverte de Forza Motorsport 7. Du coup, dites-moi si vous voulez des vidéos sur le jeu, n'hésitez pas. Donc pour l'instant, évidemment, je vais pas trop être centré sur le jeu. Étant donné que je vais me concentrer principalement pour l'instant sur Forza Horizon 4, voilà, c'est là-dessus pour l'instant que je vais faire des vidéos. Mais voilà, si vous voulez des vidéos sur Motorsport 7, j'en ferai avec joie. Donc dites-moi ça en commentaire. Du coup, bah voilà, si la vidéo t'a plu, tu peux la liker, t'abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche de notification pour ne louper qu'une des prochaines vidéos. Moi je te dis à la prochaine et ciao ciao, allez bye!